Salut tout le monde, c'est Nardoc et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de... Et on est sur DayZ, un mode pour Arma 2 et Arma 2 Opération Arrowhead, disponible sur Steam pour 25€, mais on n'est pas ici pour faire de la pub et on peut voir que c'est dégueulasse. De quoi ? T'es obligé de dire le prix ? Ouais, j'avais envie. Mais c'est un peu dégueulasse parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources et mon ordi il est puissant mais pas assez pour ce jeu. Enfin c'est ma carte graphique qui... Hein ? Il est puissant sans être puissant. Ouais c'est ça, mais c'est ma carte graphique qui est pas tip top en fait. Ah il m'a donné un coup de caillou. Un coup de caillou. Non oui, pour info, pour ceux qui me regardent mes vidéos, enfin pour ceux qui sont fans de moi, moi fan de vous, donc je joue à Mutant Blade, Warband. Donc ceux qui intéressent et ceux qui veulent voir mes vidéos, bah abonnez-vous, hein, ceux qui ne sont pas abonnés si ça vous intéresse. Bon, regardez la vidéo Nardoc. Mais sinon ta pub elle est magnifique dans ma vidéo. Oh un oiseau, oh zoom. Donc on va arrêter de faire le con parce que ce jeu est super stressant. Surtout les sons d'ambiance. Ouais, j'espère que c'est pas trop dégueulasse parce que... C'est dégueulasse. Parce que j'ai pas le choix, hein, sinon moi, je suis déjà à 20 FPS, donc c'est limite galère, vous voyez. Donc j'espère que je vais avoir de la chance pour trouver des armes. Avant, j'ai trouvé ma première arme de corps à corps, c'était une hache. J'ai essayé de couper du bois avec, mais j'ai pas réussi. Alors. Oh, super arme pour couper du bois. Ouais, pour se faire un feu de camp si on trouve... C'était quoi ce bruit ? Si on trouve des allumettes. Là, j'ai pas tombé sur un zombie. Zombie. Oh. Tu te le fais si tu trouves un zombie. Ouais mais avec les mains ça va être dur. Hein. Ouais bah quand ils font dans The Walking Dead. Eh ben c'est un film. C'est une série déjà pour commencer. Oui. C'est une série. Il y a un zombie là-bas. Putain l'ambiance elle est excellente dans ce jeu. Ah bon. Et ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ça c'est pour les poupoules. Un poulailler ça s'appelle. C'est ça. Oh il y a une maison. Je peux rentrer. Ah non. D'ailleurs voilà. Quoi, y a un boomer dans la maison? Non il y a deux zombies dans la maison. Qu'est-ce que je dis? Parce que la maison était ouverte. Et si elle était ouverte c'est pas pour rien. Ah non il me balance un petit caillou. Oh putain. Un petit caillou. Petit caillou dans l'œil. Je l'ai décapité. Non. Je crois que j'en ai un gros. Je sais pas si elle va être super intéressante la vidéo, mais... Bah déjà, il faut essayer de la rendre intéressante. Non, mais c'est justement... Sur la chance, en fait. Le fait de trouver des armes ou pas. Bah, il faut que je l'ai trouvé. C'est combien de perso... Attends, c'est le combien de perso que tu te fais? Troisième, je crois. Putain, t'es mort deux fois. Oui, c'est plus ou moins une découverte. Bon, une découverte, vite fait, hein. Ouais. Oh putain. Rampon. Il dit crampon. Arrête le foot. Crampon. Pourquoi je chantonne la musique de Fort Boyard? En avant. On peut même se faire aggro quand on est derrière un mur. Hein. Bon après faut préciser, c'est une version alpha. Donc on va leur pardonner. Même si c'était un mode super bien réalisé. Oh putain. Je vais jamais... Oh non je l'aggro. Ah je l'aggro. Ah vite. Mais je cours. Ah il va m'attaquer. Ah voilà il m'a touché. J'ai perdu 200 litres de sang à peu près. C'est bon ça. Ah non faut que je l'ai. Oh il y a des maisons là-bas. Oui on peut faire un putain de zoom. Le jeu a la capacité de nous remplir de sang énormément, sachant que le corps humain peut supporter environ 6 litres de sang. C'était monsieur philosophe. Oh merde. Par contre, je sais pas comment l'esquiver lui. Casse-toi. Tu bouges. Bah c'est ce que je fais, mais il est rapide cet enfoiré, il m'a rattrapé en 2-2. Un zombie qui bouge. Un zombie qui bouge rapidement. Oui franchement, bon après c'est vrai que vu que le monde est super ouvert, mais laisse-moi. Vu que le monde est super ouvert, je pense qu'ils ont fait exprès qu'il court parce que sinon, s'il marcherait, ce serait un peu trop simple. Bon, le fait qu'il marche comme des zombies à la Romero et qu'ensuite il court comme des je sais pas quoi. Les zombies de Romero ne bougent pas du tout, mais bon. S'ils sont immobiles, ça c'est des statues.
Viens, approche-toi, je te mange. Mais il faut seulement t'approcher. Je vais essayer d'entrer dans la maison. Tu vas m'attraper de repas, mon pote. Putain, il veut pas me lâcher, cet enfoiré. Laisse-moi. Je suis pas comestible. J'ai la perte de connexion par le joueur Quentin. Magnifique pseudo. Salut Quentin. Putain, j'en ai un gros, un deuxième. C'est salut Quentin. Fête. Alors tu l'étreins. Je vais essayer de. C'était une blague de merde. Je fais un petit tour de manège là. Oula. Bon, je vais essayer de les bloquer. Ensuite, une fois que j'irai à peu près loin. Ils vont lâcher l'affaire. Et moi je tire, et moi je tire, je tire. Je suis dans la maison, je suis dans la maison, ouais. Et dans la maison, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Bah des zombies. Il y a... Non, merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Soda canne. Oh, du coca. Oh! Non, laisse-moi. Ok, il est rentré dans la maison, il a traversé la porte, hein, pas mal. J'ai pu ramasser du coca. Non. Ah putain, je me suis encore fait toucher. Vite. Le mieux en fait, c'est de pas saigner parce que. Bon, j'ai des bandages, mais une fois qu'on saigne, on les attire tous apparemment. J'ai 15 de FPS, c'est magnifique. Et je suis tombé sur. Sur Total. Hein. Oh putain, il y en a un là-bas. Oh non, il y en a un qui rampe, excellent. J'ai 15 FPS, c'est magnifique. Je sauvegarde et je quitte. Je vais essayer. Ah c'est bon, je les ai semés en fait. Par contre, si on marche, sur le macadam, eh ben on est plus bruyant, ce qui est logique. This is logic. This is logic. Des citrouilles, j'ai faim. On peut pas les manger. Putain, c'est pas des citrouilles, ça c'est. C'est, je sais pas moi. Un ballon de basket. Qu'est-ce qu'il y a moi. Oh. Non mais tu verras. C'est quoi ça? Des feuilles. Les effets de lumière sont très bien faits. Mais bon, pas quand on a une carte graphique pourrie. Enfin pourrie. Non. Elle est pas assez puissante. Putain, les musiques d'ambiance. Mais c'est de la merde quoi. T'es fou, c'est trop bien fait quoi. C'est immersif. Qu'est-ce qu'il y a par là? Non, rien du tout. Il y a tellement de soldats chez moi que ça lag. Oh là là, les bruits quoi. J'en ai limite mal aux oreilles. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? C'est pas ça. Bon après c'est vrai que si on tombe sur des grandes villes, il y a forcément plus de zombies. Logique. Ouais, parce que les zombies ils aiment les grandes villes hein. Parce que dans les grandes villes, il y a des McDonald's et ils ont faim. On va aller. On va aller à la station d'essence. Marchons. Simulation de randonnée. Avec des zombies. Ouais, avec des zombies. Le jour où je vais à une simulation de randonnée avec des zombies, moi je dis. Bah alors, SCP, c'est bien une simulation d'escalier avec des fantômes. Hein. J'appelle ça juste des apparitions, pas des fantômes. Oui. Pour moi les fantômes ce sont des monstres avec. Et à la fin c'est quoi? C'est une apparition? C'est l'effet de la drogue ou quoi? Non, oh, c'est. Non, en c'est fait, non, c'est... Non, je t'explique. En fait, c'est le jeu. En fait, c'est très simple. Eh bien, en fait, c'est très simple. Donc là-bas, il y a Rambo un peu foireux là qui. Ah! Ah putain! Alors là, j'en ai un gros 2. Putain, merde. J'ai un gros 2 chèvres. Ah! Laissez-moi tranquille. T'as un gros une chèvre. Il y en a deux qui rampent comme des cons. Oh, c'est ouvert ici. Ah bon, elle vient quand la tour? Je vais leur faire un tour de manège. Ah. Est-ce qu'on peut passer ici? Ah, c'est bon. Laisse-moi tranquille. J'ai envie de. Je vais me lever, ça va aller plus vite. Putain, ils sont super rapides, n'empêche. Ah, c'est bon, je crois que je les. Non, je cours un peu encore. Et je laisse semer. J'ai fait une siège de oh château. Putain, me dis pas que je l'ai aggro lui. Non. Tu l'as aggro? Oh, je l'ai aggro, ouais. Tu l'as aggro, mon gros. Ouais. Tout à fait. C'était une blague de merde. Putain, comment j'ai pu l'aggro? Oula, il fait des bruits bizarres. Oula.
Enfoiré, lâche-moi. Ouais, sans arme, c'est un peu difficile hein, de se défendre. Sans blague. Je l'aurais défoncé. Hein. Putain, les gars, je suis pas comestible. Ça le faisait bien avec le ya. Rambo. Bon, je sais pas si c'est vous, mais démerdez-vous. Mais y'en a combien? Y'a une partouze ou quoi? Non. Oh putain, y'a un grillage. Chez moi, y'a une partouze en tout cas. Mais putain, y'en a combien? Y'en a partout. Quoi? Comment je suis bloqué? Non. Mais je suis bloqué. Mais. Non. Mais ils sont combien? Non. Ok, voilà, je suis mort. Ils m'ont cassé la jambe et ils sont en train de me bloquer. Laissez-moi tranquille. Je suis pas comme esti. Ok, voilà. Je suis plus ou moins mort. Voilà, il me... Plus ou moins. Je suis bon, hein. Donc voilà. Attendre 3 secondes avant de continuer à jouer. Et voilà. Je suis dead. Magnifique. This is dead. Je suis dead. Donc voilà, je pense qu'on va pas faire durer la vidéo plus longtemps puisque c'était pas trop intéressant. Pas trop intéressant. Et vu que bah là je suis mort, donc je suis réellement mort. Et pour rejouer, il faut recréer un perso. Donc voilà, j'espère quand même que j'espère quand même que ça vous aura plu, même si c'était pas super intéressant, en compagnie de Black and Claude qui a dit. Laisse-moi le dire. Voilà, vas-y, représente-toi. Présente-toi pour la fin. Bonjour, je suis Black and Claude. Et tu sers à quoi? T'es en forêt, toi. Donc racisme. Voilà. Qu'y a-t-il? J'ai dit racisme. Non, pas du tout. Rapport avec le racisme, aucun. Donc voilà, quand même, j'espère que ça vous aura plu, même si c'était pas super intéressant. Oui, c'était pas très intéressant. Ouais, se faire courser par 14 000 zombies, là. 14 000, sachant qu'il n'y en avait que 2. Non, vous n'avez pas que 2 à la fin, hein. Au moins, je sais pas. Je verrai bien dans ta vidéo, ok. C'est ça. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui, parce qu'en fait, il faut vous inscrire. Qu'est-ce que tu racontes, toi? N'oubliez pas d'aller voir Black and Close. Hein. Oubliez de me voir, c'est encore plus simple. C'est une obligation, hein. Parce non. Parce qu'il est tellement connu qu'il faut aller voir, quoi. J'aime ton ironie. Donc voilà, merci à toi de m'avoir accompagné dans cette superbe aventure qui a duré que... C'était 10 chiant. Minutes. C'était tellement passionnant. C'était chiant. Merci. Mais je t'aime bien quand même. moi aussi. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ah bah oui, je suis obligé. Donc voilà, ciao Black and Close. Ciao Nardoc. Hasta luego.